vous allez bien? Donc aujourd'hui vidéo du coup sur une convention, une toute petite qui s'appelle la Japan Nantes et qui était du coup établie à Saint-Herblain le 21 et 22 avril à la salle de la carrière qui est une toute petite salle, hein, on va pas se le cacher. En 15 minutes vous avez fait le tour des stands, mais le décor est tout simplement magnifique. En plus il a fait super beau, il y a juste une petite nuée vers les midi, midi et demi par là. Donc bon, wow, voilà, c'est pas non plus la petite nuée qui a fait que ça a gâché toute la journée, parce que franchement il a fait super beau. Apparemment j'ai chopé des coups de soleil et je m'en suis pas rendu compte, donc c'est que vraiment le soleil devait bien taper. Après voilà, il faisait quand même plus de 30 degrés, donc c'est vrai que c'était chaud. Donc je vous explique même pas l'intérieur de la salle, dans une toute petite salle, c'était étouffant. Mais bon, les petites conventions, c'est franchement super convivial. Au moins on peut aller parler avec les cosplayers. On peut au moins tous les rencontrer, on peut tous les voir tranquillement, parce que voilà, dans les grandes conventions, bon, vous voyez un cosplayer, mais vous êtes peut-être pas sûr de le revoir en fait plus tard dans la convention, par exemple à la Japan Expo. Donc c'est pas forcément facile, il y a énormément de monde, et du coup, ben pour parler à la personne, des fois c'est pas voilà, c'est pas forcément facile, ni pour les prendre en photo, sachant que là, voilà, à la salle de la carrière, c'est tout simplement magnifique, le décor est fantastique. Vous avez un énorme étang avec du coup plein d'étendues d'herbe, de pelouse, des coins d'ombre et tout, et c'est tout simplement mais magnifique. Personnellement, moi j'adore ce décor, c'est toujours un plaisir d'y aller. Donc franchement, je suis super contente d'y avoir été. J'ai pu revoir des amis, c'est vraiment trop bien. J'ai pas fait d'activité, franchement j'ai rien fait à part le tour des stands, acheter et puis rester avec des amis, parler à droite à gauche, prendre des photos. Prendre quelques petites vidéos, voilà. Au moins vous pouvez voir à quoi ça ressemblait. Effectivement, vous allez sûrement vous dire, il n'y avait pas grand chose. Mais après, voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas grand chose comme stand que ce n'est pas de la qualité. Donc voilà. Il y avait pas mal de créateurs, et franchement, moi je préfère largement des stands de créateurs que des stands professionnels, où je trouve que c'est pas forcément tip top. Alors le midi, comme vous avez pu le voir, en plus j'ai mangé un gros plat de ramen au poulet. C'était la première fois que je mangeais, on va dire, des vrais ramen au poulet. Après j'ai bien demandé, il y avait une personne qui était avec moi du coup, qui avait été au Japon, et je lui ai bien demandé, mais ça a ce goût-là au Japon? Parce que voilà, j'ai jamais goûté des vraies nouilles. Elle m'avait dit oui, ça a ce goût-là, mais en un peu plus épicé. Donc du coup voilà, j'ai mangé des vrais ramen, j'ai mangé des onigiri, et franchement, mais c'était super bon. Je m'en suis fait péter le ventre, mais bien comme il faut. C'était super. La journée, bon, ouais, franchement, c'était magnifique. Il a fait beau et tout. J'étais en cosplay du coup de Majirana. Je sais pas, normalement vous avez pu me reconnaître, voilà, dans la vidéo. J'ai des grandes oreilles, donc on me disait souvent que j'étais un petit lapin. Bon, c'est mignon. Après voilà, j'avais mon petit plateau, et en fait sous les cloches je servais du coup des petits œufs en chocolat que j'avais achetés pendant les promos de Pâques. Donc voilà, j'en ai donné plein. Et il y en a certains du coup qui ont fondu malheureusement. Donc quand je suis arrivée chez moi, il a fallu que je les mette dans le frigo. Tellement que quand je mettais le doigt dessus, en fait, c'est presque si le chocolat il sortait de l'aluminium. Donc pas tip top, mais bon, après il faisait super chaud, donc bon, fallait pas que je m'attende à des miracles non plus. En tout cas, j'étais franchement super contente, mon cosplay a été bien accueilli, c'était vraiment super. J'ai passé alors la journée en talons. Donc les talons, alors pourtant ultra confortable, hein, les talons franchement super. Et du coup, alors du coup je fais la vidéo, c'est la veille du coup le dimanche. Donc en plus je remarque que j'ai une tête de zombie, parce que voilà, j'ai passé une journée ouf, voilà. Et en plus je viens de me réveiller, donc du coup j'ai une tête encore un petit peu endormie. Donc alors voilà, j'étais en convention, donc on m'avait dit avec mon cosplay de Majirana en version maid que ce serait sympa de porter des talons. Donc j'ai porté des talons que j'avais en version confortable. Petite pente, voilà, pour les pieds quand même, faut pas non plus déconner. Sachant que c'est toute une journée avec des chaussures, c'est... Voilà quoi. Sauf que voilà, à la fin de la journée, bon, j'avais mal aux pieds, ce qui est normal quand on a des talons, voilà, quand on n'a pas l'habitude d'en porter. Voilà, en plus j'avais des poulettes, donc super. Donc je suis arrivée chez moi et tout, et en fait, ce matin, je me suis réveillée, et sauf que j'ai été incapable de poser mon talon par terre. Donc j'ai regardé mon talon, et en fait mon talon était en feu, et j'avais du coup un énorme hématome violet qui était trop bizarre sur mon talon.
Donc du coup je me suis dit c'est pas vrai, et pourtant je me suis pas cassé la gueule, j'ai rien fait et tout. Et voilà, du coup je pense que j'ai dû en fait trop m'appuyer sur mon talon. C'est tout con, mais voilà, et du coup ça m'a fait une sorte de petit hématome. Donc même là en fait j'ai encore le talon en feu. Je suis en train d'essayer de mettre de la pommade au maximum pour éviter de pas être en arrêt, parce que pour marcher c'est un peu chaud. Donc voilà, c'est un peu le point. Voilà, il n'y a qu'à moi que ça peut arriver, ce genre de choses. Donc je souffre. Ce matin j'étais de vide-grenier, donc j'étais en train de boiter, sauf que je me fatigue mais à mort à boiter. Donc du coup on essaye de supporter la douleur, et voilà, mais c'est pas facile hein. Franchement voilà, j'ai un mal de chien, mais ça m'a pas pourri la journée. Franchement je me suis mais tellement éclatée que voilà, il a quand même fallu que ça soit le lendemain que je me rende compte que je me suis vraiment fait mal. Donc, et à part ça, mais qu'est-ce que j'ai acheté? Parce que voilà, quand on va à une convention, on est obligé d'acheter, c'est obligé. Bon, vous avez vu en plus les énormes peluches qui étaient en forme de chien, tout fluffy, les énormes peluches lapins, c'était trop mignon. Bon, j'ai pas acheté ça, hein, faut pas déconner non plus, mais voilà, c'était trop mignon. Et je comprends pas les gens quand des fois, quand ils vont dans les conventions et qu'ils rapportent aucun souvenir. Tu peux pas, forcément obligé de craquer sur quelque chose. Donc moi j'ai craqué sur quelques trucs, et en plus j'avais passé commande avec des amis. Du coup donc j'ai récupéré tout ça à la Japanante et je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer plutôt par alors, ce que j'ai acheté un peu random. Voilà, c'est des bonbons japonais au raisin, bah, parce que vous savez que j'adore le raisin. Et c'est pas n'importe quoi en fait comme bonbons japonais. C'est des bonbons, vous les mettez en fait dans la bouche. C'est con en fait ce que je viens de dire. Et du coup en fait ça va se mettre à mousser, 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 mousser. Et en fait vous allez avoir la bouche mais pleine de mousse. J'en avais déjà goûté, mais c'était je sais plus à quoi, au coca je crois. Franchement j'avais kiffé. Donc du coup j'ai voulu tester au raisin parce que j'adore tous les bonbons japonais au raisin. Je trouve ça super bon. Franchement j'adore les bonbons au raisin japonais. Voilà. Commande du coup j'avais faite à une amie parce que j'avais pas de collier pour Magerna. Donc c'est une petite Pokéball en pâte Fimo. Donc je suis vraiment contente, elle est superbe. Elle est vraiment magnifique en plus. Tac. Donc alors pour le coup je l'ai pas portée lors de la convention parce qu'il faisait tellement chaud que je me suis dit si je me rajoutais voilà un bout de tissu hop autour du cou parce que je veux mettre un ruban. Je me suis dit mais je vais crever de chaud. Déjà de base je devais porter des collants opaques gris avec ma tenue, je les ai pas mis comme vous avez pu le voir parce que je compte survivre quand même à cette journée. Déjà voilà, mon talon n'a pas survécu. Donc voilà, je me suis dit c'est pas grave, on verra pour la prochaine convention. Hop, donc je suis vraiment contente. Une petite Pokéball. Et après du coup, j'ai fait faire surtout des dessins. Voilà, alors bon, ma pochette, je l'ai pas achetée là-bas, voilà. Mais voilà, je pense que vous connaissez maintenant mon Pokémon favori. Donc je pense que vous savez des dessins de quoi. À part un, ou qui était une commande spéciale. Alors, hop. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'abord? Parce que ils sont tous tellement beaux en fait que c'est dur. Alors, voilà, plus ceux-là. Hop, donc à la personne à qui j'ai commandé la pâte Fimo, à mon ami, du coup je lui ai demandé de me faire quelque chose de spécial en fait en niveau dessin. J'avais fait en fait, bon je vais, non je vais pas vous montrer d'abord. J'avais dessiné en fait, parce que je dessine pas mal, un Arbok en voulant manger un Goélise. Et du coup en fait vu que je suis une énorme quiche au niveau coloration, voilà je l'ai jamais colorié. Et je me suis dit mais elle a fait des super belles aquarelles, c'est magnifique. Et je me suis dit mais j'ai trop envie en fait, je lui ai demandé si elle accepterait de me faire la coloration de mon dessin. Et elle a accepté. Donc du coup voilà le résultat et je suis franchement contente. Voilà, donc le dessin c'est de moi et la coloration c'est d'elle du coup. Et j'en suis mais totalement, voilà, il est magnifique, il est super beau. Franchement, il est vraiment super. Il est vraiment magnifique. Hop. Il est vraiment. Mais j'en suis vraiment fan. Il est juste waouh. Donc, je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Au moins, voilà un de mes dessins qui verra la couleur. Parce que voilà, franchement, mais je suis tellement une quiche que j'avais trop peur de l'abîmer en plus. Pour une fois, j'étais fière, c'est une création 100% moi. Pour une fois, j'étais fière. Mon tout premier dessin que je crée moi-même. Donc voilà, ça me faisait chier quand même de le rater au niveau de la couleur. Et en plus, elle m'a fait un petit cadeau en plus qui n'était pas prévu.
Total. Elle m'a fait un petit aqualique et trop, trop mignon. Hop, alors voilà du coup. Tada. Tac. Et je mettrai quand même dans la description le lien de sa page de dessin pour que vous puissiez voir. Elle fait beaucoup de choses en aquarelle et franchement, mais c'est réellement magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à elle parce que voilà, je suis tombée amoureuse de son style qui est franchement super. Ensuite, alors celui-ci, voilà, dessin spécial aussi d'une amie que j'ai demandé. Qui est trop trop chou. Alors celui-là, il est un peu. Il est vraiment spécial. Parce que dessus, en fait, il y a mes trois OC d'Aquali. Donc de mes trois Original Creation d'Aquali. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai repris le style tout simplement d'Aquali et que je l'ai totalement modifié. Enfin, totalement. Non, je l'ai modifié en fait par rapport à quelques critères, ce qui fait que voilà, en fait, c'est voilà des aquarelles que j'ai créées un petit peu, on va dire. Donc, si vous pouviez ne pas me les voler, ce sera sympathique. Voilà, je vous les montre, mais si vous pouviez éviter de me les voler, voilà, parce que bon, ça m'embêterait. Hop, ta 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 ta. Voilà, donc alors, ça, au milieu, c'est moi. Ça me ressemble, c'est moi tout craché avec une de mes robes que j'ai et du coup mes trois OC. Alors, je vous présente du coup Aqualuna qui est tout simplement un Aquali galactique. Hop, elle est trop mignonne. Aqualuna qui est née de la relation alors d'une femelle Aquali et d'un mâle Lunala. Alors, arrêtez pas la peine de me dire, mais Lunala c'est un légendaire, il a pas de sexe, c'est pas un mâle ni une femelle. Voilà, je vous signale quand même que dans les animés Pokémon, Mewtwo a été une fille, a été un mâle. Les Genesect, bon, ils ont quand même recréé toute une horde, donc je pense qu'ils se sont aussi reproduits. Donc je pense que voilà, la reproduction au niveau des légendaires n'est pas allouée. Et qu'il y a eu un épisode dans Pokémon Les îles Oranges où il y avait une Logia femelle avec son bébé. Donc, comment vous dire que dans les animés, les légendaires, bah, ils se reproduisent en fait. Voilà, il y a des mâles et des femelles. Donc, me dire quand même que voilà, ils sont uniques. Voilà, je vais pas trop vous croire là pour le coup. Hop, ma petite Aqualia qui est trop trop mignonne. Voilà, ma petite Aqualia que j'aimerais beaucoup franchement faire en fursuit. Donc, si je fais une furie, et ben, ce sera elle. J'ai déjà acheté sa tenue et tout, je suis en train d'économiser. Tous les dessins sont faits, je suis en train d'économiser comme une folle pour pouvoir me la payer. Donc peut-être qu'un jour vous me verrez me balader, voilà, en Aqualie, toute mignonne. Et du coup, Aquilion, voilà, qui est tout simplement une version, une version albinos, tout simplement. Et lui, il a un caractère, voilà, plutôt fort. Et, voilà, c'est mon caractère un peu merdique, caractère de con, on va dire, hein, faut pas se le cacher. J'ai un véritable caractère de con, donc voilà, c'est le fait d'être un petit peu enfin, pas unique, mais voilà. Et franchement, voilà, ça c'est mes trois OC, c'est mes trois versions d'Aqualie que j'ai modifiées, comme vous avez pu le voir, mais pas trop. Hop, voilà, donc j'en suis franchement, mais super contente. Il est trop beau le dessin, il est trop magnifique. Ah, bah, je vais vous le repasser quand même parce qu'il est trop, trop, trop classe. Il est trop mignon. Voilà, j'en suis tombée amoureuse. Et en plus, j'ai un tableau aimanté normalement, mais je commence à plus avoir de place dessus. C'est horrible. Et du coup, j'ai pris commande d'un dessin sur un stand. Alors, je pense que vous allez reconnaître parce que je lui ai acheté pas mal de dessins. Je crois que je lui en ai acheté 7-8. C'est un dessin de Psychocat. Donc, je sais que je pense que vous allez vous en souvenir. Je lui ai souvent pris commande. Hop, et du coup, je lui ai demandé de me refaire Aqualuna. Alors, vu que son corps est en galaxie, en fait, son corps, voilà, on va dire que les gens le modifient vraiment, vraiment un petit peu à volonté. Donc, Aqualuna n'aura jamais la même version, le même corps et tout. Donc, mais cette version-là, mais elle est vraiment également magnifique. Hop, je vous présente Aqualuna, du coup, en version galaxie, qui est trop magnifique. Voilà, hop. Vraiment nébuleuse noire dans la version Psychocat. Et franchement, elle est, mais tout simplement magnifique. Elle est trop belle. Je l'adore. Alors, du coup, vous allez peut-être me dire que la tête est un petit peu bizarre. Il faut savoir, voilà, que les créateurs, en fait, quand ils dessinent des choses, il faut savoir qu'il y a les droits d'auteur. Donc, moi, quand je lui prends un dessin d'Aquali, je lui dis à chaque fois, tu me le fais en version félin, en version chat. Au moins, voilà, c'est un aquali sans être un aquali, c'est voilà, c'est pas la même chose. Donc au niveau des droits d'auteur, voilà, ça peut passer. Donc je suis franchement mais super contente, elle est trop belle, elle est trop magnifique. Oh,
Elle est superbe et quand je l'ai vue, mais j'ai littéralement craqué. Hop, et je m'aperçois du coup. Alors, elle l'a fait à l'aquarelle et je vois que l'aquarelle, voilà, je l'ai fait hier, je l'ai repris à 1h, hier à 13h. Et du coup, je vois que l'aquarelle n'est pas encore totalement sec. Donc, pour vous dire qu'il fait tellement chaud que ça a quand même du mal à sécher. Donc, franchement, j'en suis super contente. Il est magnifique. Il est trop, trop beau. De toute façon, voilà. Mes trois ossées d'aqualie, franchement, mais je commence à. Je les apprécie presque largement. Peut-être plus que la version officielle. Et je me suis fait un gros cadeau. Et du coup, pour clore du coup cette vidéo, mon dernier rachat. Donc, je ne remercie pas les personnes qui étaient avec moi cette journée-là. Donc, pour la simple et bonne raison que du coup, en fait, j'étais avec une amie et vu que j'y suis allée toute seule et qu'elle a été avec deux autres de ses amies, et ben, elle m'a invitée. Donc, voilà. Et dans une de ces deux amies, il y en avait une qui, à chaque fois où je passais devant le stand, et ben, elle me disait, achète-moi. Achète-moi, qu'elle me murmurait dans l'oreille. Donc, au bout d'un moment, à la fin de la journée, je me suis dit, oh, putain, allez, c'est bon, je craque. Voilà, je vais craquer. En plus, je suis dessus. Enfin, j'avais craqué dessus depuis l'année dernière et je l'avais jamais acheté. Je me suis dit, bon, allez, là, cette fois-ci, je vais craquer. C'est bon, comme ça, au moins, je l'aurai. J'aurai pas besoin de l'acheter. Et à chaque fois que je passerai devant, ça me fera pas mal au cœur de la laisser en plan. Donc, voilà, je pense que vous allez. Vous savez déjà d'avance quel Pokémon c'est, je pense, franchement, voilà. Mais voilà, elle est trop mignonne et elle est trop chouette. Tada! C'est une peluche d'Aqualie. Donc c'est quand même une grande version, hein. Elle est quand même plutôt grande. Et elle est toute fluffy. Elle est toute douce et elle est dans les couleurs pastel. Donc elle est franchement magnifique. Voilà, elle est tellement pastel en fait que vous avez du mal à distinguer les couleurs. Et elle est trop belle. Elle est trop magnifique. Et l'année dernière, voilà, j'avais craqué dessus. Et je l'avais pas achetée parce que bon, voilà, elle est quand même. Voilà, elle était quand même au niveau du prix plutôt chère. Et là, bon, vu que j'avais pas acheté grand-chose, je me suis dit, bon, allez. Je vais l'acheter. Et en plus, c'est du coup une qui fait partie de la collection I Love Eevee. Eevee. Donc, I Love Evoli, voilà. Ils avaient sorti toute une collection. Hop. Avec la petite étiquette. Donc, je suis franchement trop contente. Elle est trop mignonne. Il y avait aussi la Voltaly. Il y avait la Voltaly, je crois qu'il y avait la Pyroli, mais je suis pas sûre. Tout en fluffy, trop mignonne. Oh, et franchement, mais elle est trop, trop adorable. Elle est trop chou. Elle est trop mignonne, c'est horrible. C'est dur de pas craquer, je vous assure. Si vous avez jamais fait de convention de manga, vous y allez. Mais je vous assure, c'est vraiment très dur de ne pas craquer, au moins pour un truc quoi. Voilà, donc vous repartez minimum peut-être avec un badge ou une illustration quoi. Mais c'est vraiment très dur. Donc voilà pour clôturer cette superbe journée à la Japan Nantes que franchement je me suis éclatée. C'était vraiment super. C'était trop cool. Le mois prochain je fais la Japan Go à Pontivy. Donc vidéo pareil. J'y serai en guerrière Pokémon cette fois-ci avec ma tenue en carte Pokémon. Parce que je l'ai jamais essayé là-bas. Donc je me suis dit allez hop. Je vous avoue qu'à chaque fois que je fais une nouvelle convention, bah je la teste un peu à droite à gauche. Et puis bon, on espère qu'il fera chaud. Pas trop non plus, hein, mais qu'il fera chaud. Parce qu'il y a 2 ans, j'y avais été. Et comment vous dire qu'il faisait plus. Je crois qu'il faisait 35. 35, voire même peut-être un peu plus. Et c'était étouffant. C'était horrible. Et j'avais chopé mais des méga coups de soleil. C'est également, du coup, dans une petite salle. C'est dans le palais des congrès. Mais voilà, c'est près d'un château, il me semble. Près d'anciennes murailles. Et c'est quand même vraiment magnifique. Donc bon, voilà, si par hasard, eh ben, le mois prochain, vous êtes près de Pontivy et que vous avez envie d'y aller, eh ben, j'y serai le samedi, c'est sûr. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo convention vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et surtout n'oubliez pas nos Pokémon, il faut tous les attraper.